Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Et euh, donc on est dans la thématique for the queens toujours. Et dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Queen Moran. Voyez, faites du bruit s'il vous plaît. <laughs> Bonjour <laughs> Morane, bonsoir. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va bien Super. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Merci pour l'invitation. Et à te livrer euh, à nous euh, autour du sujet euh, en cours, c'est-à-dire For the Queens. Donc la chanson, tu l'as écoutée mais Bien sûr. Tu la connais Oui. Bon, je dis ça, mais on va y revenir plus tard. Je t'ai consulté pour l'écriture de cette <laughs> chanson. On va y revenir tout à l'heure. Ceux qui ne connaissent pas Morane voyez, chanteuse artiste Martinique, auteur compositrice, réalisatrice productrice ch... bon trop elle gêne. fait tout ça et franchement moi j'ai la chance de la côtoyer un peu dans l'intime on va dire c'est ma petite sœur c'est aussi une artiste que j'admire oh, mais oui non mais il faut le dire il faut le dire il faut le dire et euh, donc là actuellement quand on enregistre euh, c'est ce podcast tu es en pleine tournée le BBW de ouais et ça je suis moi-même, très fier. Et... Ça se passe bien pour toi? Très, très bien. Je Là, compte. on va faire les deux dernières dates en Martinique. Mm -hmm. Et euh... puis, il y a d'autres dates qui arrivent. Donc, euh, tout va Il y a bien. de grosses échéances qui arrivent cette année, il me semble. Oui. Elle va oui, tout péter. Oui, oui. Bon, ben, ça, c'est good. Et donc, For the Queens. Donc, moi, je vais te refaire le topo, même si tu le connais. Mon intention au début, quand j'écris cette chanson, c'est que, bon, c'est la période où le mot bitch est très. Présent dans toutes les musiques qui nous arrivent, bitch, bitch, bitch. Et bon, moi, euh, à l'époque, en tout cas, j'interprétais ça comme quelque chose de très péjoratif, mm -hmm. de manière absolue, en tout cas. Et euh, donc, moi, mon truc, au début, cette chanson-là, si tu te rappelles, elle disait euh, It's for the Queens, sorry bitches. Je sais pas si tu te rappelles, oui, la première version, c'était ça. Et donc, chemin faisant moi dans mon développement et dans mon, dans ma réflexion sur le thème. J'ai enlevé le côté bitches où je me suis dit non, je vais pas me mettre en opposition à un terme péjoratif. Je vais plutôt, moi, faire la promotion de ce que je valorise. Donc, les queens. Et ensuite, dans mon développement, bon, pour moi, c'est toutes les femmes qui sont des queens, même si elles choisissent des vies que je pourrais juger. Peu importe comment je juge le truc, tu vois, j'en suis arrivé à ça. Mmh. Et donc, si tu te rappelles, je t'avais sollicité pour ce texte-là pour te dire bon, est-ce que je ne suis pas encore un peu dans le patriarcat <laughs> En oui. est-ce que je ne suis pas juste encore un gars qui essaie de dire au chou, euh... Et donc, j'aimerais que tu partages avec moi, bon, ben, déjà, éventuellement, ton ressenti par rapport à la chanson, en tout cas, le résultat fini, et puis par rapport à ça. Euh, alors, dans mes souvenirs, je me souviens, c'était un couplet ouais avait... le deuxième couplet, d'ailleurs, Mais... qui a été changé à la fin. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, Ce que j'aime avec cette chanson-là, c'est que du coup, elle ne limite pas... Euh la définition de queen mmh. parce qu'on a tendance à vouloir enfin euh, que en gros que quand on dit c'est une queen ou bien c'est une femme joke ou bien machin c'est forcément euh, une femme qui correspond à certains à certaines valeurs alors qu'en vrai ben, les valeurs sont dictées euh, par qui mmh. et surtout elles changent au fil des années ouais. donc euh, je trouve ça bien que pour moi la chanson du coup laisse la porte ouverte à tout ça exact. alors que dans le couple, je me souviens quand on m'avait parlé de ça il y a longtemps. Hein. Oui, parce que cette chanson-là, elle est née il y a déjà longtemps, oui. elle a évolué. Je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait un petit peu dans le ouais, couple. Ouais, en mode on m'avait euh... discuté pendant oui. moment je m'en rappelle. <laughs> Donc voilà. Et mais en fait, euh... c'était une partie où, ouais, en fait, tu m'expliquais que ça faisait, c'est vrai que c'était honorable de mon point de vue de le voir comme ça, mais que dans cette ce, ce côté universalité de la queen où on n'est plus dans la queen qui se comporte bien qui répond à certains codes sociaux ou à certains choix que certains voient estimés honorables comme je dis où tu m'expliquais que non que ça c'était un peu discriminatoire discriminatoire exactement et puis du coup ça faisait un peu de l'exclusion quoi si je me rappelle bien c'était ça oui parce que ça 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 même si tu ne le dis pas ça ça jugeait celles qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce rôle-là, tu vois. Ouais, en fait, le couplet disait « Indépendant, mais en l'air, mais laisser les fesses en l'air au vestiaire, pas d'hypocrisie, mes frères, j'apprécie voilà. des coupes ferme, c'est clair. Mais là, ça. la femme au meurtre, seule, légère et rarement celle' qu'on présente à sa mère. » je crois que c'était vers par là. Voilà, parce que je me disais, mais en fait, dans... enfin, je me rends compte aussi, en plus, avec le recul, que dans une même vie, une femme peut être... Ouais. Euh, pendant une période, euh, bah, avec des murs solides la période d'après, euh, bah, elle peut, elle peut avoir une, une, une autre, une autre posture. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, tu vois. Et pour moi, c'est pas, euh, c'est pas euh, en contradiction avec le fait d'être une queen. Tu peux très Tout bien avoir, fait. enfin voilà. C'était ça un petit peu le, ça faisait un peu ce qu'on appelle du slut shame en fait, tu vois. Ouais 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 exactement. Et euh, j'avoue que c'est quelque chose qui peut me déranger des fois quand j'entends des hommes parler de de la cause féministe ou bien des femmes en général, ils ont toujours ce besoin, enfin beaucoup en tout cas, je les entends parler, ils ont besoin de de dire bon ben ouais, euh, une, femme qui, euh, une femme qui se, respecte, tu vois des choses comme ça, donc voilà. ça dépend. C'est Kim Moon qui euh, vous dit ça quoi. Oui puis ça, fait, ça, quoi. ça dépend de, du point de vue de chacun et puis enfin euh, voilà je je me dis que vaut mieux au contraire incluant tout le monde plutôt que chercher à, à diviser. Alors que vous, bon, au final, ben moi, si en ce moment, j'ai envie d'avoir des nuances déjà, j'ai le droit, tu vois, il n'y a rien qui me 10, tant que je ne fais de mal à perdre. Ça ne fait pas de toi une moins queen ou autre ben, chose. C'est ça, j'espère que ça ne ben me diminue pas enfin, en tant que femme. Tu ben, dans notre théorie, dans, en tout cas dans celle de ce que je vise à être, c'est ce que je voudrais, mais après, dans les faits... Que ce soit, euh, voilà, dans, dans cette société, on voit bien qu'on n'est pas, pas vraiment à cette pratique-là. Déjà, et puis c'est surtout que c'est très contradictoire quand tu sais que, par exemple, à contrario, si un homme se retrouve à aborder mœurs légères, bah déjà, on ne va même pas le remarquer non c'est pas un problème c'est pas un problème genre euh, au pire on va dire ah, il, a vie, il a vécu sa vie il a vie. vécu il a vie. ça, ça a ne diminue pas sa valeur euh, de king quoi voilà ouais, ça okay. ne sallie pas à son truc alors du coup je me dis ben, à partir du moment où l'inverse ne fonctionne pas c'est que ça ne devrait pas fonctionner c'est ouais, pas... soit ça fonctionne pas pour les kings soit on voilà, voilà en... ça veut dire qu'on peut commencer aussi voilà. ça, euh, en vie en fait voilà et en fait euh, bon je trouve que c'est ça être, pour moi être un king ou être une queen c'est ça c'est euh, pouvoir assumer ce qu'on fait euh, assumer qui on est, se connaître, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, ouais. Et puis pour finir, reconnaître le king et la queen chez tous, tous voilà. les autres individus, peu importe leur choix de vie, quoi, en fin fait, de compte. C'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, euh, donc moi, j'ai trois questions à te poser. On va commencer par la première. Euh, si tu avais un message pour la queen que tu étais il y a 10 ans, se... il serait quoi, en fait Attends, j'essaie de réfléchir Oui, j'étais il y a 10 ans. C'est en et 2014. de te rappeler dans quel état d'esprit tu étais. Alors, en janvier 2014. Mm -hmm. ouais. <laughs> en janvier 2014, j'étais en prépa en Martinique. Et je préparais mes concours. Mm -hmm. J'étais quelqu'un de fatigué. <laughs> j'étais fatigué. Je me rappelle ça. J'étais fatigué. Tu dormais beaucoup, non Oui, et je, 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 <laughs> je crois que j'étais bout en fait. Hein, parce que la prépa, c'était dur et euh, les concours, c'était stressant. Donc, euh, si j'avais un message pour cette personne-là. Ce serait, euh, ne te laisse pas polluer par des éléments extérieurs, en fait. C'est-à-dire Ben, ok, il y a un concurrent, mais c'est pas la fin du monde. Si tu ne réussis pas comme tu l'entends, mm -hmm. surtout qu'au final, c'était pas bon. J'ai pas de regrets, mais bon, c'était pas comme si j'avais ça comme plan de carrière, tu vois. Bah, ouais. Donc, genre euh, tranquille. Et moins de pression. Moins de pression et. Euh... Ouais, moins de... Se laisser moins influencer par l'extérieur, en fait. Je pense que ça aurait été ça. Et aussi, euh... ça, c'est le côté euh... travail. Mais sur le plan personnel, je pense que ça aurait été. Euh... Euh, Écoute-toi et, et euh, fais confiance à... à ton instinct. Et aussi, fais plus de musique. Voilà. <laughs> oui. C'est une période où j'en faisais pas assez en fait. Je... Enfin, bah, sens pourquoi que... tu faisais tes études Ouais, mais tu vois, ça, je pense que ça aurait pas dû être euh, l'un ou l'autre. Tu vois On a prévu la charge de travail, puis on ne pas. Je pense que j'aurais peut-être moins travaillé. Ah, c'est ça aussi, il y a des choix. choix ouais, aussi, ouais. Mais bon, trava... Non, mais c'est que j'aurais travaillé autre chose. Tu vois Avec le recul, je me dis que ça aurait pas été très grave. Tu vois oui, mais bon, c'est parce que tu l'as vécu que tu sais que c'est. Oui, moi voilà, bah, c'est pour ça que je peux faire un message à quelqu'un il y a 10 ans. Mais en tout cas, ouais, ce serait bien, ça, ça l'idée. Euh... Et d'un point de vue, justement, euh, queen. Du côté de d... la euh, femme Ouais. Euh... Par rapport à la société. Ah, mon Dieu, je me serais dit. Comment tu te. Ouais. Le premier truc, d'ailleurs, je me le dis là maintenant redresse-toi. Parce que j'avais tendance à me courber de ouf jusqu'à maintenant. Bon, moins qu'avant, mais j'étais vraiment... Et c'est un redresse-toi que, que physique C'est un redresse-toi... Euh... Oui, mais physique qui est lié au... Parce qu'en fait, quand on se voûte, en vrai, c'est ouais, ouais, un l état d'esprit. C'est un état d'esprit qui s'exprime par ton corps, quoi. C'est ça. Et je pense que ça commence par le fait de se redresser physiquement. Et ensuite, tu te dis... Eh hey, bien quand tu es droite comme ça, en fait, tout est bien plus stable. Qu'est-ce qu qui... Selon toi, contribuer à l'époque, bon, il bon, y, a, y a ce qui se passe à l'intérieur de toi, on ne va pas te déresponsabiliser sur qui tu étais, mais sur qui tu es, mais mm -hmm. qu'est-ce qui, selon toi, dans les rapports avec euh, donc les autres queens ou les, les kings, on va dire, avec les autres femmes, avec les, les hommes, mm -hmm. contribuait à ce que tu sois justement courbé Ben, je pense que c'était. Des complexes par rapport à mon corps. Mm -hmm. Bon, déjà, j'étais complexe, par ma poitrine. Donc, euh, instinctivement, au lieu de faire, ouais, ben, ben j'attends ouais, ouais, à vouloir caché, la cacher. Voilà. Quoi. Et, euh, ouais, j'étais pas à l'aise avec, qui avec, avec euh, mon avec corps, avec, corps, avec, avec ma posture. Et euh, je me comparais beaucoup à, à mes copines. Euh, tu vois, je me trouvais très grande, trop grande. Tu ah, vois. Ouais. Donc,. Euh, euh, trop, trop, trop ronde aussi, j'étais trop j'étais Des en fait. trous et des pas assez, quoi. Ouais, voilà. Quoi. Et euh, du coup, je pense que c'était ça. Et puis, je pense aussi que c'était. Euh... Ouais, globalement, c'était ça, hein, principalement. Parce que je pense que si j'avais. Plus, plus vite tu acceptes ton corps, plus vite tu acceptes plein d'autres choses après. Enfin, ouais. Tu vois Tu es un peu plus ouverte à la vie, et à ses aléas, quoi. Oui, et, euh, aux, autres, aux autres choses que tu devrais accepter chez toi, qui ne sont même pas forcément physiques, tu vois. Comme as, ton cerveau c'est déjà accepté un truc. Sur ouais, toi, ouais, que tu peux sais. pas changer, tu vois. Jouer, tu sais t'aimer, quoi, dans toutes les ça. dimensions, de manière inconditionnelle. Mais bon, c'est un cheminement, quoi. Complètement. Aujourd'hui, j'en ai où par rapport à ça Ah, je suis toujours dedans, en vrai. Hein, c'est un peu le sujet de, de l'album. Mais ton oui, ton complètement. Ouais. C'est exactement ça, je suis toujours dedans. Après, il y a des. A... J'ai fait beaucoup de progrès, mais c'est pas fini. C'est un cheminement, je pense, qui va durer très longtemps. J'ai une question qui me tarode. Est-ce qu'autour de toi, donc les queens de différentes générations, bon, on va plutôt les tatis, les, 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 les gourmets, mm -hmm. est-ce qu'elles, celles qui avaient ce, ces difficultés-là, peut-être similaires aux tiennes, donc par rapport à l'acceptation de son corps, bon, on ne va pas dire que ça vient que des choux, on voit bien que la société nous propose mm -hmm. une espèce de stéréotype presque fine. Plus on découvre, plus on voit que c'est un peu inatteignable, on ne connaît pas beaucoup de. Enfin, mm -hmm. je vais parler d'où je suis, et de ce que je perçois. Comme si c'est un modèle, euh, je ne sais pas, c'est une illusion, quoi, qu'on mmh. qu essaie que toutes les femmes s'imposent à atteindre. Je pense qu'on y contribue énormément, bon, ça n'y a pas de photo. <laughs> Mais euh, est-ce que tu connais, est-ce que toi, il y a des femmes dans ton entourage qui ont l'air libérées de ça euh, J'en connais, en fait, j'en connais qui savent euh, gérer, en fait. Tu okay, vois qui ne laissent pas ça, les... Voilà. Genre, en mode, elles ont leur complexe, elles ont leur truc, mais elles sont en mode... Et alors En vrai, OK, Genre mais... Genre, c'est peut-être plus un complexe et ils manquent ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, je, je le vois sur... Enfin, je l'observe maintenant, mais à l'époque, je ne faisais pas assez attention à ça, tu vois D'être mm -hmm. concentrée sur mes trucs. Sur tu n'avais pas l'impression qu avait... que les autres filles avaient ça J'avais l'impression... J'avais pas l'impression... Alors, les filles de mon âge, j'avais pas l'impression qu'elles avaient des complexes. Sauf mmh. celles qui m'en ont parlé, tu vois. Et les personnes plus âgées, enfin les tantes ou, les, ouais. ou même ma maman, tout ça, ben, j'entends depuis petit, tu vois, surtout avec l'âge, quand elles ont des enfants, quand elles, tu sais, elles vont tout de suite dire, ouais, bon, j'ai des kilos à perdre, faut que je fais ouais, attention, ouais, ouais. tu vois. Donc, euh, j'ai pas forcément. Euh, étais pas, je, plus jeune, j'étais pas assez attentive à ça. Mais par exemple, moi, mon, ce qui a fait mon déclic sur euh, le fait de, de commencer à me dire oh, « bah Ouais, moi aussi, euh, je peux », tu vois, c'est parce que j'ai vu une copine qui euh, a des formes et qui, en fait, mettait des, des tenues mais, en fait, que j'aurais trop kiffé porter, mais que je me disais « C'est impossible que je porte ça ah, », ouais, tu exactement. vois. Et, et euh, elle, je sais, en discutant avec elle, qu'elle a des complexes, etc. Mais le fait que, malgré ses complexes, elle s'autorise à le faire et qu'elle soit en mode « Yo » en fait je, je, je suis belle et je je suis dit, ben ça m'a motivée tu vois ok donc effectivement c'est du c'est par mimétisme aussi je pense que plus il y en a qui vont accepter certaines choses ben, plus elles vont motiver d'autres à le faire et du coup est-ce que ton album s'inscrit dans ce dans cette démarche oui oui complètement complètement c'est ça l'idée c'est euh, c'est ouais ça, en face, quoi, ça. à encourager à s'accepter à s'aimer voilà. tel qu'on est euh... et en fait ironiquement ça se dit ça oui mais Je ça pas. ce qui est ironique <laughs> c'est que du coup plus tu t'aimes plus tu t'acceptes plus il y a des chances que ce, des... que ce que tu n'aimes pas disparaisse, pour de vrai pour laisser place à ce que tu es tu veux dire non ce que ce que tu n'aimais pas sur toi ben, ah d'accord voilà. ok ce que tu n'aimais pas sur toi euh... euh, disparaisse du coup est-ce que ça disparaîtrait dans ton regard ou dans, dans les, les deux faits? les deux une espèce de Les deux. Moi, interdépendance enfin, de ton regard sur toi-même et, ben et l'expression de ton corps oui est-ce qu'on pourrait dire que l'expression que mmh. le corps est l'expression du regard qu'on a sur soi-même oui parce que comme tu disais comme tu mets pas ta grosse waistline mais du coup tu es comme ça mmh. bon après euh, non mais bon j'ai quand même enfin j'ai je, je, retiré tu vois mmh. Mais ben c'était pour moi important de, de le faire déjà pour des raisons médicales parce que j'avais mal au dos et que bon voilà. Mm -hmm. Mais en plus de ça, je suis quasiment sûre que, que au-delà de ça, euh, depuis que je m'aime plus et que je m'accepte plus, ben, tu vois, manger des légumes c'est plus facile pour moi donc okay. du coup ça fait que ben, comme je comme je m'aime plus ben, je vais plus prendre soin de moi donc je vais manger plus de légumes et donc bizarrement ben, oh, ben, je vais maigrir sans même m'en rendre compte okay. tu vois alors que si j'étais focalisée sur le fait de maigrir seulement ben je mais ou ben parce... oui c'est ce qui m'est arrivé toute ma vie aïe tu vois aïe. donc euh, alors qu'aujourd'hui tu vas me dire bon ben, ce soir c'est euh, euh, légumes parce que et en plus je me dis pas ça par rapport à mon poids c'est plutôt par rapport à ma santé genre je sens que voilà quand je mange Telle chose, je me sens mieux dans mon corps, je, je vis mieux au quotidien, je bouge mieux, je fais plus de sport, donc je vais continuer. Ok. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, ben, je me retrouve à perdre du poids, mais c'est pas. Tout est lié, quoi. Ah, ok. Voilà. Et du coup, ma deuxième question quel serait ton message pour les queens du monde donc pour euh, la milliards de Queen qui nous va regarder écouter ce podcast. Du coup faut parler anglais Non, elle comprennent le français et le créole. Super. Alors, les femmes là. C'est pour ça. <laughs> non, en vrai euh Je sais pas, hein. enfin c'est dur, hein, parce que tu peux parler. À... C'est pas, une... pas... pas une entité, tu vois. Enfin... C'est pas une entité, mais c'est quand même vous avez un dénominateur commun qui est que la nature vous a fait femme. Donc justement, l'exercice serait de trouver quelque chose. En tout cas, donc je dis comme les femmes du monde, on peut dire, tu peux te concentrer sur les femmes de ton monde, quoi. Ben. Je pense que. En fait, je ne je, je, je peux pas trop parler pour toutes les femmes enfin, en même temps. Parce que je trouve, je trouve qu'on a toutes des vécus complètement différents, des fois. Mais si je dois dire quelque chose, c'est genre. Euh... Si vous êtes en mesure d'être aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes, c'est déjà le début du bonheur, en fait. Tu vois, c'est déjà le début de. Voilà, je suis OK avec ça, je suis OK avec ça, je me comporte comme ça, je suis OK avec ça une fois qu'on a travaillé sur cette phrase là le reste après ça se ça se gère très facilement mm -hmm. mais le travail est long enfin moi je trouve que c'est long de, de, de devoir être aligné avec tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est tu vois ouais après au-delà de homme ou femme bon je pense que c'est ça c'est que pour moi chemin d'une vie quoi ouais du coup et je je si sais déjà pas déjà savoir qui tu es voilà. après de pouvoir vivre une vie Transpire ce que tu ressens dans le mouvement de ce que tu ressens parce que tu es quelque chose aujourd'hui, ça aura évolué demain, ça aura évolué mmh. dans dix ans. Moi, tu vois, j'ai pas envie de parler de solidarité entre femmes, etc. Parce que bah, si une femme fait quelque chose qui ne me convient pas, je ne vais pas me tenir responsable de ce qu'elle fait, tu vois, mmh. juste parce qu'on est des femmes. Enfin, non, oh, non, je comprends, c'est pas l'idée et je trouve que c'est euh, pas constructif forcément de faire ça. Mais. Je me dis que plus vite on se connaît, plus vite on s'aime, et plus vite on s'accepte, et plus vite on est capable de, de, se, de se respecter, de, enfin, toi, de, de se procurer le respect qu'on mérite. Mmh. Voilà. Donc. Okay. Euh... Ouais, voilà. Comment enfin, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce cheminement-là sans même s'en rendre compte, tu vois. Donc. Euh je sais pas ouais, y a pas de voix définie quoi n'y a non, pas de bonne joie, te... y a pas de bonne façon de vivre comme j'aime dire non c'est <laughs> ça voilà donc je me dis juste euh, apprends, apprends à te connaître apprends à t'aimer et ensuite euh, fais-toi respecter et donc les queens du monde qui nous écoutent et nous regardent euh, learn to love yourself apprends même quoi -hmm. apprends d'air enfin, <laughs> ok Ma dernière question, du coup, est-ce que tu as un message à toujours croisé mes bras d'ici je me mets sous la défense. <laughs> <laughs> est-ce que tu as un message pour les kings Alors messieurs, pense ce Mais à nu et à découvert. Non, mais tu sais quoi Avant à te connaître, un peu avant la même à t'aimer hein? et avant à te respecter, parce que je pense que le gros problème. Mm -hmm. Ah ouais, et c'est lié aussi euh, éduquer vos fils correctement. Du coup, une fois que vous avez fait tout ça, parce que je trouve que ça part de, de quand on est petit, il y a des schémas qui se répètent très facilement depuis qu'on est tout petit. Mm -hmm. Et euh, dans des toutes petites actions qu'on croit minimes, en fait, des fois on on, on induit les petits garçons en, en erreur, tu vois, sur la façon de traiter les femmes ou sur la façon de qui se traitent eux-mêmes. Mm -hmm. euh, c'est ok de pleurer c'est ok de pas savoir courir vite c'est ok de ne pas aimer le football c'est ok de voilà c'est pas grave ah ça dépend non c'est pas grave <laughs> ça, dépend. Pas... ça dépend de quoi ça dépend de quoi c'est ok de pleurer c'est ok de pas courir vite mais ça dépend de quoi non non je te laisse finir hein. et puis je voulais juste exposer quelque chose sur... en fait c'est que même si ça va sûrement être difficile mais pour moi le début du changement se fait là parce que je trouve que on met les petits garçons qui deviennent des hommes après dans des postures déjà de comme ça et, et du coup ça fausse tout de suite le dialogue parce que mmh. on nous met aussi dans des postures hein, bien sûr mais comme c'est pour les kings qu'on parle mmh. là du coup ben plus vite on aura changé ces espèces de schémas de postures de ouais ben voilà on est des hommes machin plus vite on pourra progresser et passer à la suite tu vois du dialogue parce que tant qu'il y aura cette espèce de posture euh, qui, des fois, étouffe certains hommes... Des fois, ça convient à certains hommes, hein, tu vois. Mmh. Mais des fois, ça les étouffe aussi. Ben, plus vite, on pourra euh, tous euh, parler en mode à plat. Ben, tu vois, imagine, imagine deux, enfin, une femme et un homme, par exemple. Et euh, la meuf, euh, elle aime pas le maquillage, par exemple. Genre, elle déteste ça. Mais elle adore euh, réparer des voitures. Voilà. Et à l'intérieur, tu un gars qui, euh, lui, n'aime euh, pas le football et euh, adore euh, la danse classique. Tu vois Mais les deux vont se retrouver à jouer des rôles pour entrer dans un moule. Et puis, ils vont se lutter comme ça, avoir des luttes intérieures toute leur vie. Et on va demander à ces deux personnes-là de discuter. Mais elles ne vont pas se comprendre, puisque déjà, elles ne sont pas d'accord avec ce qu'elles font elles-mêmes, tu vois Ouais, clairement. Bon, j'ai pris des clichés, tu oui, vois. Oui, oui, non, mais je vois bien où tu veux revenir, c'est-à-dire que... Euh dans le processus d'apprendre à se connaître, on est dans cette société où on met beaucoup d'énergie à plutôt... À mettre beaucoup d'énergie à essayer de rentrer dans ce qui nous semble être... Bon, mais pour les hommes, qu'est-ce qu'il faut être pour être un garçon et pour les femmes ouais. Et du coup... Euh... Et ça a beaucoup changé aussi, tu vois. Mm -hmm. Pardon de t'interrompre, mais ça a beaucoup changé aussi puisque les choses sont moins genrées aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord avec ça Enfin, franchement. Par exemple, ne serait-ce que les vêtements. Euh, les chaussures. Je ne comprends pas le principe qu'il y a des trucs femmes-hommes. Parce qu'en vrai, c'est une question de taille de pied. Et, et genre, je me retrouve parfois à acheter des chaussures au rayon homme. Sans même me rendre compte que c'est un rayon homme. Parce que juste, j'aime bien le modèle. Mm -hmm. et, et inversement, j'ai déjà vu aussi l'inverse, tu vois. Et ça, ben, ces gens répondent rien. Parce que c'est pas, pas scientifique. C'est pas... Enfin, tu vois... Les, les... Ouais, ouais, ouais. Et pour, plus on va arriver à ça, plus on va pouvoir en partir de quelque chose de plus, de plus neutre et qu pourra, que chacun pourra se découvrir tel qu'il est, tu vois. Puis on va aller vers le tout le monde, c'est Moon. Ouais, voilà. Bon. Ouais, c'est pas évident. Non! Ah bah, Moi, ah bah... j'ai envie de prendre un exemple. Après, bon, tu m'as déjà dit que tu avais volé sur ça, mais bon, justement, la chanson For the Queens aussi m'a permis de rentrer dans ce dialogue-là, puis d'en rentrer dans un processus de déconstruction. Mm -hmm. Puisque bon, voilà, bon, je ne je, je, je saurais pas vraiment définir l'expression patriarcale, hein, mais le temps de prendre la mesure que bon, ben, ça qu a fait les femmes, mais le temps de regarder ça, ça a fait nous. Mm -hmm. En fait, déjà, moi, à mon niveau, je ne vais pas parler pour les hommes, mais je vais parler juste pour moi. Et j'aime bien prendre l'exemple où, quand on bouge ensemble, tout ça au début, quand on bouge ensemble, bon, même en tout cas, ouvert la porte là-bas, oh, mm -hmm. en tout cas, dit mais, et tu m'avais dit un jour, euh, « Ouais, la galanterie, c'est un truc de macho. <laughs> » Et moi, ça m'avait fait un bug de ouf parce que, bon, moi, j'ai grandi où on m'a expliqué qu'il faut être galant. J'ai entendu des hommes me dire ça, des femmes me dire ça, plein mm -hmm. d'exemples de ça. Donc, moi, mon m'ont mis énergie à énergies à, 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 à m'approprier les codes de la galanterie, en tout cas, les trucs simples. Mm -hmm. Et quand tu m'as dit ça, c'était... Je ne veux pas dire violent, mais ça m'a bousculé parce que, après, bon, je, je, je pense toujours que la galanterie, c'est bien. Mais une fois que tu m'as mis ça, ça m'ouvre cette perspective de me dire, et hey, mes frères, non, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne vivent pas ça bien, qui pourraient ne pas le vivre bien, mais en fait, là où je, là où je veux mettre l'accent, ce n'est pas tellement sur ça, c'est plus sur le côté où je suis désemparé. Oui, tu te le sens bien dire, mais mais que dois faire, du coup Ouais, putain, hum. merde, j'ai mis tout ce dernier, hein, master ça. Moi, je veux être quand même... J'ai cette volonté d'être, tu vois, soldat l'homme universel avec tout le monde, machin. Et puis, je me dis, waouh, mais si je dois... Waouh mmh. Enfin, déjà, laisser de la place à l'idée que ça pourrait être mal perçu par une femme. Mmh. Déjà, ça m'a pris un temps. Alors, quand je dis que j'ai évolué sur ça, je, ouais. je, 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 pense, je pense toujours que c'est quelque chose qui est un relan les ouais, ouais, tu vois. Moi, si voulez, au final, j'entends. Mais... mais... Par contre, je sais euh, voir quand c'est... Par exemple, il euh, y, y a des hommes qui montrent leur amour comme ça, par la mmh. galanterie. Et du coup, et montrent leur respect aussi. Et du coup, ben, je suis en mesure de l'accepter comme ça aussi. Ok, de le comprendre comme de ça. De le okay. comprendre comme ça. Maintenant, de moi-même c'est pas que, c'est, je me souviens que la période en question, c'était une période où j'étais très en rébellion oui, aussi, et j'étais très, j'étais souvent entourée d'hommes, mm -hmm. donc j'étais souvent la seule fille, et je voyais les différences de comportement vis-à-vis -vis de moi, on me dort le tête déjà beaucoup, il mm -hmm. y a des sujets qu'on n'abordait pas devant moi, mm -hmm. comme si j'étais pas capable d'entendre certaines choses, ou bien, euh, des blagues, et puis en plus il y avait le côté, non seulement je suis une femme, en plus je suis la plus jeune, donc, qu'on ouvre là pour pour moi c'est vieux en fait euh, j'ai pas 12 ans tu vois je peux ouvrir ma porte tu vois je peux c'est un petit peu ça et euh, parce qu'effectivement moi j'ai cette image que la galanterie c'était ça ça a été établi à une époque où les femmes foutaient rien enfin n'avaient pas le droit de faire quelque chose Pardon, okay. je me reprends. <laughs> Où elles, avaient, elles étaient enfermées dans des trucs. Ouais, euh... je comprends. Ben voilà, mon mari m'ouvre la porte parce que, ben du coup, de toute façon, <laughs> je ne sais pas ouvrir une porte parce que j ai, j ai... La, ma main est trop faible, tu vois. J'entendais mmh. ça comme ça. Aujourd'hui, avec le recul, bon, un gars va m'ouvrir la porte, je vais trouver ça galant et je vais lui dire Mais ainsi, hein, c'est gentil, voilà. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, non, mais je comprends. Après, c'est vraiment sur le côté où... Parce que je me souviens que du coup, ta réponse à ça, c'était que du coup, tu ouvrais plus haut qu'une porte. Ouais, mais frère, j'essaie de justement, j'essaie d'adopter le nouveau comportement. Donc, je ben, vais à l'inverse d'abord. Oh, on m'a dit, bon, elle m'a dit, elle vit ça mal. Moi, je dis, on va pas si te ouais la porte baroque. Ouais, pour te montrer que je te respecte, <laughs> tu vois Je vais te dire, c'était ça mon c'était ça mon processus, tu vois. Mais, mais... j'ai j'apprécie le fait que tu ne m'aies pas forcé en mode. Non, c'est comme ça, donc on va faire comme ça. Tu vois, parce que ça, je trouve que c'est pas intéressant. Ouais, mais après, je, je, sur d'autres situations, je, 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 quand j'analyse pourquoi j'aurais pu réagir comme ça ou j'ai réagi comme ça, c'est ce côté, Waouh, merde, ma vie, là. C'est-à-dire, on m'en tellement comme moi. Et puis, ça, j'en ai eu telle habitude de dire comme moi que ça, c'est la bonne attitude, mmh. que c'est valorisé par les femmes. Et puis. De, comme je te dis, c'est pas tellement le sujet. Après, aujourd'hui, je suis à un stade où on me dit, bon, ben, on ça, ça, c'est ouf, Pas de problème. Mm -hmm. Mais, sur le moment, ça m'avait vraiment bousculé. dans me dit, waouh, mais, ah ouais. Et puis, bon, au final, plus ça a été, plus il y a eu la, la vague du féminisme, plus, bon, voilà, nous étions capables de dire ça, toi, toi et moi. Et puis, je me dis, waouh, en fait, on s'entend pas. Comme si, on n'entend pas vraiment les femmes, les on femmes ne les, en fait, les entendent pas vraiment, mais c'était comme si on arrive. Enfin, j'avais cette impression que c'est pas qu'on s'entend pas, c'est qu'on ne sait pas le faire. Voilà. Tu vois ce que je veux oui, te oui, dire? C est c est c est on ne sait pas comment. On sait presque pas. Par exemple, moi, pour revenir à ce petit côté désemparé face à ça, c'est comme si c'est Ah merde, j'ai appris, j'ai j'ai étudié pour ça, puis quand j'arrive dans la situation, c'est pas ça. <laughs> Why? Oui, mais à contrario, tu aurais plutôt parce une fille qui dit euh, euh, c'est normal que le gars m'ouvre la porte, c'est la moitié de la Oui, non, choses, mais il y vois, en a, justement, là, il hein. y en a, par exemple. Alors, ma maman, quand je l'ai apporté je ça, il m'a dit ah non, moi, il faut m'ouvrir la porte. Tu je... vois, ouais. Voilà. Donc, au final, c'est même si je dépasse ça, tu vois, là, c'est propre à toi, mais mm -hmm. c'est surtout pour te dire que on a, enfin, moi, en tout cas, moi, dans mon cheminement, j'ai des difficultés quand il s'agit de recréer un processus que j'avais déjà valorisé et puis que finalement je me dis, ah ouais, mais c'est, ça prend racine dans un fucking truc. Mais exemple, en fait, c'est surtout vois. ne pas faire les choses juste par mimétisme sans comprendre. Tu vois, par exemple, dans le cas où je prends cet parce que c'est symbolique. Ouvrir la porte. Si j'ai une grande robe avec des talons et que j'ai euh, trois sacs. Ou bien un sac, machin. Effectivement, pour des raisons pratiques, c'est plus simple que tu ouvres la porte, mmh. tu vois Que n'importe qui d'autre ouvre la porte. Voilà. Euh, je pense que c'était aussi dans ce contexte-là, tu mmh. vois Mais si c'est pas juste, je ouvre la porte parce que t'es une femme, c'est juste parce que sur le moment, bah, c'est peut-être le plus simple, tu vois Mais ouais. Mais si, au hein, contraire, dans le, le cas en question, on était chacun tous. C'est euh, limite, tu ne m'as pas, pas dépassé pour ouvrir, tu yeah sais? Oui, il faut être galant. Et il je faut... me dis, là, dans la logique, je pouvais faire ça, tu vois. Je me suis dit, oh, bon. ah, En plus, fait, moi, l'intention, c'est OK, la petite sœur, OK, ouais, ben respect, <laughs> En fait, tu vois, c'est ça, c'est que je, maintenant, j'ai appris à interpréter différemment <laughs> les ouais. gestes de chacun. Tu vois, je sais Après, aussi. Ouais, il y a une on protection. Peut pas généraliser, quoi. Voilà, je sais pas, alors, ne retenait pas que j'ai dit euh, qu'il faut pas m'ouvrir la porte, tu vois. Non, c il <laughs> faut retenir de ça c'était moi je ça, voulais plutôt plutôt mettre l'accent sur... sur voilà je, parce que moi je, me, je réfléchissais beaucoup à ça je me disais mais quand on dit les femmes d'abord tu vois les pourquoi les femmes d'abord parce que du coup les femmes d'abord parce que vous savez déjà que vous allez vous allez faire autre chose enfin que déjà on n'est pas sur le même pied tu vois ouais mais après nous, ouais je pense c'est à dire qu'on est vraiment dans ce enfin mais je peux pas je, exemple, je peux pas généraliser mais il y a cette il y a cette euh, il y a cet élan, après je ne sais pas si c'est un élan sociétal ou naturel à voir, de se dire, bon, on est plus fort, donc on va, oui, voilà. on va maintenir ce qui arrive, on, on ouais. protège d'abord euh, ouais. les plus faibles. Là. Voilà, c'est <laughs> que du coup, ça dépend de qui. Parce que si par exemple, c'est. Désolé. Je regarde un comédien qui disait, ouais, c'est quoi cette histoire de les familles, les enfants d'abord dans un bateau Moi, je veux descendre en premier, j'ai <laughs> oui, peur hein, aussi ça. C'est-à-dire que ça dépend de qui a peur en premier. Ouais. Parce que si, je te donne un exemple concret. Moi, en l'occurrence, si tu me mets devant euh, un crocodile, mmh. oui, je vais t'envoyer en premier. Tu vois, ah, il non, mais moi, j'ai peur. Ouais, ben, toi, tu vois. Peut-être moi, je vais t'envoyer pour je... que non, le crocodile non, non, non. te écoute, mange écoute. et que j'ai le temps de fuir. Hein. Non, bah, ça Oui, si tu veux... <laughs> et dans tous les cas, vu que c'est un crocodile et que moi, j'ai très peur de ça, effectivement. Mais si on est face à un truc où je sais que c'est toi qui as plus peur, ce n'est pas logique qu'on t'envoie en premier quand même. Mais est-ce que tu comprends que... De manière mécanique, un homme va se faire cette violence de se dire putain, je dois y aller. Moi, je prends l'exemple de je suis frileux. Moi, je suis tellement frileux, j'ai tout le temps ma veste. Oui. Moi, Et puis la chou, s'il si frette, il faut que qu qu Bailey, <laughs> j'ai pas envie, mais, as, mais tu il faut frileux. le faire. Ouais, mais ah, je... elle a froid. Ouais, mais non. Et en plus, le nombre de films où. Elle tu un vois le pull. truc un Je suis romantique pour vous. Non, aujourd'hui, je suis comme ça. Aujourd'hui, j'ai dit, ah, écoute, écoute, faut prendre un pull. Euh, ben oui. Mais bon c'était pour te dire que des fois je me suis dit a fait cette violence je me m'a dit ouais, tiens le ah, suis et puis prendre son pull frère, mais bon c'est moi qui dois protéger et et ouais, puis, vois donc j'enlève mon pull, je lui donne, j'ai froid, je galère, je passe pas une belle soirée, mais je suis satisfait dans mon égo de mal. Par exemple, je, je l'ai protégé, tu vois ce que je veux te dire. J'ai un pote qui aime pas les rêver mmh. Il a ah, peur de sa genre il fait ah, ah", J'espère que sa compagnie OK. Elle a pas peur. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pas peur des rêver Ça me fait absolument rien. Je vais, voilà ben je vais pas lui demander de faire un truc qui, qui alors que je sais que je peux mieux le gérer que lui tu vois ça n'a pas enfin oui c'est dans la logique là voilà. aujourd'hui mais, mais c'est oui, quand on défait ça que... du conditionnement de comment on on a vu des films des web films ou frère... mm -hmm. par exemple il y avait cette trend là sur internet où il y avait des femmes qui disaient il euh, y a le premier truc qui dit POV euh, quand il est pas là donc il capote, il passe à aspiration il ah, oui, et quand bacanapé, il est là il dit que, ah ouais mais ça m'avait énervé tu vois je dit mais frère, mais pourquoi vous faites ça on perd du temps en fait, que... et en fait mais en même temps pour vous vous sentiez utile d'une <laughs> part et puis moi mon cas de manière naturelle dans cette situation là ça va être, mais non mais doudou laisse-moi faire en fait. Tu mmh. vois, même si des fois, c'est l'équipe qui m'interviewe, elle, elle a peut-être oui. plus de force que moi, ou plus d'habilité à faire la tâche. Mmh. Mais il y a cet élan. Euh, bon, maintenant, oui. beaucoup moins seul. Moi, je suis en mode, ah non, j'ai toi. Tout le mmh. monde, c'est mon. <laughs> <laughs> mais voilà, mais ça, en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend oui, de Non, après, c'est vers ça qu'on veut tendre où il oui. n'y a plus de conditionnement pour femmes, pour hommes. C'est plus. Exemple, je me suis déjà énervée mmh. parce qu'un gars a voulu m'aider à me gagner alors que je gérais parfaitement la situation. Comment oui, est-ce connais... que tu arrives à, à percevoir cet élan d'amour je lui ai dit, j'ai baissé ma vie, je lui ai dit, oh, regarde, j'ai mon permis. Laisse-moi tranquille, je vais y arriver et, ben, et en fait, je lui ai même dit, tu mets des consentes, c'est à cause de toi si je prends du temps. Du c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on était assez avec un pote. Et euh, c'est une dame et sa fille qui, ou la fille, galère un peu à gary et bon, on regardait, et bon, on ne s'est pas moqué, mais bon, mm -hmm. on regardait mm -hmm. en mode, et bon, comme si la dame s'est sentie un peu gênée. Et c'était intéressant parce qu'elle a dit Non, mais ma fille, euh, bon, elle galère un peu, mais elle conduit bien, elle conduit comme un homme. Hein. Mm -hmm. Je me suis dit Aïe Aïe, c'est bon moque, les féministes ont pas entendu, tu vas mourir, tu mais, vas ouais, ouais. te brûler. Non, je déconne, mais non je mais me suis dit aussi... En fait, ça m'a ramené au fait que, ouais, c'est. On est tout. Tout le monde est. Un travail de déconstruction à faire sur ah ça. tout Voilà, c'est le Et vraiment moi, ce que, que j'aime bien dire, c'est que, comme si le processus des femmes est déjà bien enclenché, en tout cas, d'identifier le truc, d'essayer de mettre en place, et que, bon, moi, à vous, je m'inquiète, je me dis, putain, mais nous, on dirait qu'on n'a même pas encore vu qu'on a un petit. <laughs> c'est comme si, c'est oui. qu'on signe en bas qui blessait nous. Mais vous ne savez pas quoi. Que les autres gens, en mode, bon, on a analysé comment ça blesse ce qu'on peut faire, et que nous, on se dit, pas blessé, ça va. Oui, c'est ça. Ce ça. Et dire. du coup, de, quand on vient vous dire Yo, faut mettre un bon là, tu euh, dis, pas du je tout. Pas je suis pas oui, blessé. Oui, mon bois fait du pu, mais t'inquiète, ça va. Oui, c'est de la bon. gangane mais ça fait un style. Ça fait un style. c'est oui, ça. ça. Bon, moi, j'ai une petite question euh, un peu euh, qui n'était pas prévue, mais j'en profite. Mm -hmm. Alors moi, l'univers m'a confié de guider deux, deux queens, bon, deux, deux filles, deux enfants, des nièces d'ailleurs. Mm -hmm. Si tu avais un conseil pour moi, pour être un, on va dire un bon guide quoi, de, de jeune princesse en voie de devenir queen, on va dire. Euh... Attends, j'ai réfléchi. Ah si, je, je t'en prie, on a deux minutes. Hein. Je pense que le premier truc. Il ne s'enregistre pas, putain. Je Mais si. Pas la... Non, la caméra. Ah bon Bon, on continue au moins le son. Putain, merde. Ah, ça s'enregistre depuis tout à l'heure Ouais, je crois qu'il n'y a plus de place. Aïe Et qu'est-ce qu'on va faire On finit le son. Ok. On va lancer le podcast, Joe. <rire> 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 euh, je pense que le conseil que je peux, donner, que je peux te donner, c'est. Apprends à tes filles ce que tu aurais appris à tes garçons. Mais j'ai pas de garçon, Non, mais si par exemple tu avais un fils, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais appris à ton fils Instinctivement. je pense qu'instinctivement, oui. Et du coup, ben bah, je pense qu'il faut apprendre ça. Par exemple, je donne un exemple concret. Je parle Mon papa n'a pas de fille, de fils, pardon. Mais tu vois, il m'a dit euh, pour les voisins, il m'a dit très tôt. Bon, par contre, tu sauras changer un pneu, tu vois, parce okay, que il est. Ça, oui. Tu es comme ça, vois? ou bien. Euh, m'a j'ai vu très tôt mon papa cuisiner, j'ai vu très tôt mon papa faire des choses qui sont censées être faites par les mamans, tu vois. Okay. Et du coup, moi ça m'a permis de ne pas genrer les tâches. De ne pas me dire "Bon ben, ça, ça c'est un truc que ma maman, ça, ça c'est mon papa." Les qui font voilà. Et euh, plus elles te verront faire, c'est du mimétisme. Ouais. Elles, elles, elles te verront faire, elles vont te trouver cool comme Faut papa. Faut pas que je leur dise les là, ils vont pas ça quoi. Ouais ben non. OK et plus je pense que plus elles te vont faire plus elles seront aptes à faire un tri plus tard sur qu ce qu'elles ont, envie, de faire, ce qu ont envie. envie et puis de faire. avec qui elles veulent partager leur vie aussi ok tu vois ok voilà et bien je te remercie en tout cas pour ton temps et merci à toi et puis j'espère qu'on va trouver une solution pour les images euh, non mais je vais mettre sur pause et puis je vais laisser le son au bout d'un moment je pense que les gens nous ont vus. ah oui c'est vrai you know <laughs> Merci beaucoup pour l'invitation et euh, c'est bien comme sujet de conversation. Et allez écouter For the Queens parce que cette chanson est magnifique. Oui, donc For the Queens, extrait de mon, de mon album, hein, de mon dernier album, Carnet voyage de voyage d'un soldat au chapitre 3 et 4, disponible sur toutes les plateformes. L'album et... BBW de Moran, ainsi que son tour qui est en cours et qui voit de très belles étapes. Restez connectés sur ces réseaux pour suivre l'aventure. Mmh. Et puis euh, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'amour pour toujours. À bientôt bisous bisous.